c'est Domo, la table. Alors, mes chers amis, Noël, dans moins d'une semaine. C'est quoi Noël? Christmas. Noël, c'est deux mots latins. Né, eul. Le jour de naissance, Noël. Le jour de naissance, dans la langue de Seriani, ça veut dire Yalda. Et les Arabes, ils ont emprunté cette mot pour l'utiliser la naissance. Milad, Kavalot. Yalda, Noël, le jour de naissance, c'est le 21 ou 22 décembre. Depuis 7000 ans, c'était célébré chez les païens, on dit, mais chez les disciples de Mitra. Mitra, première déesse, Dieu, soleil, premier penseur, l'individu, soi-disant prophète, rationnel. D'où est-ce qu'il est sorti? D'une montagne des Tadjikistan, Pamir. Pamir et Tadjikistan, les montagnes de Pamir de Tadjikistan, c'était l'endroit que Mitra est apparu il y a déjà 7000 ans. Et 21, 22, ça dépend, vous voyez, comment on avait calculé notre calendrier, mais de toute façon, première nuit d'hiver, c'est la plus longue nuit de l'année. Cette plus longue nuit de l'année, on le nommait Noël, Yalda. Le jour de naissance de Mitra. Mais comme Christ était quelqu'un qui connaissait bien le Mitra et le Mitraïsme, il était un disciple de cette pensée rationnelle, et surtout que pendant plus de 15 ans, moins de 20 ans, Jésus, il était dans le pays perse de l'époque, qui était 140 pays de Nord-Afrique jusqu'à Sibérie. Alors, actuellement, on trouve plein de toutes les cérémonies chrétiennes s'empruntaient de Mitra et Mitraïsme. Bien sûr, chez les Romains aussi, cet culte de Mitra a été entré, il est entré chez les Romains, mais ça, c'était très récent, il n'était pas à quelques centaines d'années. Après christianisme, mais 500 ans après la naissance de Christ, mithraïsme va donner sa place à Jésus. L'Europe, Rome va devenir chrétien au lieu d'être mithraïste. Et Noël exactement, ça commence à être fêté. Pas depuis la naissance de Jésus, non. 12e siècle, il y a déjà 800 ans. 12e siècle, l'Europe va fêter le jour de naissance de Jésus à la place de Mitra. Mais bien sûr, on ne va pas le fêter la première nuit d'hiver. Avec 3 jours de décalage, on va le ramener au 25. Pourquoi? Puisque le premier jour qu'on a fêté, c'était le 25, le premier, 25 décembre. C'était le premier jour, première nuit d'hiver. Puisque quand vous calculez le calendrier, l'année par rapport à la Lune ou du Soleil, il y a un décalage chaque année, tous les 5 ans ou tous les 3 ans. David, il fait un agenda depuis déjà 30 ans pour ça, et j'étais obligé de faire des études à ce sujet-là aussi. Voilà, oh, 25 décembre va prendre la place de 21 ou 22 décembre, fête de Yalda, fête de Noël, naissance de Mitra va devenir naissance de Jésus. C'est pour ça qu'en plus, nos amis arméniennes,
il fête la naissance de Jésus au début du mois de janvier. Au début du mois de janvier. Alors, beaucoup d'autres cultes de Mitra avaient pris place. Et n'oubliez pas, il y a déjà quelques années, ici en France, Angers, dans la ville Angers, on a trouvé un temple de Mitra. À Saarbrücken en Allemagne, pour la plupart des fois j'y vais dans les montagnes de Saarbrücken, vous avez le temple de Mitra. À Londres, quand on faisait le métro, on a trouvé temple de Mitra en Allemagne, partout en Europe. Partout en Europe, c'est le culte de Mitra qui régnait. Mais, bien sûr, la diplomatie, la politique, il y a déjà 1500 ans, a ramené le patron de Rome, le roi, a décidé d'enlever le Mitra et mettre le Jésus à la place. C'est pour ça, Noël, jour de naissance de Mitra est devenu jour de naissance de Jésus. Mais ce que David Abbasi vous a dit depuis déjà une trentaine d'années plusieurs fois, je vais le répéter ce soir pour que vous sachiez, erreur, ce n'est pas seulement erreur de calcul dans 3-4 jours, le 21, 22 décembre ou 25. Erreur existe également dans la nomination des mois. Dans la nomination des mois. Dans le calendrier de Mitra et Mitraïsme, mois de décembre, c'est-à-dire ce mois-ci, c'est le 10e mois de l'année. Nous, quand on fait, David, quand il fait son agenda chaque année, il est publié. Nous sommes dans les années 7755. Voilà, vous pouvez aller voir sur l'internet. Vous pouvez constater, regarder. Et mois de décembre, c'est le 10e mois de l'année. Puisque après 2 mois, ça va être le printemps. Et le premier jour de printemps aussi, 21 décembre, c'était encore fêté comme Nouvel An en Europe jusqu'à 500 ans après Jésus-Christ. Nouvel An, c'était le 21 décembre. On l'a changé. Mais quand on fait tous ces changements-là, il se trompe. Il ne change pas le nombre de mois. Par exemple, mois de décembre, il vient de 10. Décembre, c'était 10e mois de l'année, comme dans l'agenda de Mitra. Mais 10e mois de l'année, il reste 12e mois de l'année, mais avec un faux nom, décembre. Avant aussi, c'est novembre, ça vient de 9. Novembre, ça vient de 9. C'est 9e mois de l'année, mais c'est 11e. Octobre, 8e. Septembre, ça vient de 7. 7e mois de l'année. Mais dans le calendrier d'aujourd'hui, il reste 9e mois de l'année. Vous voyez, quand on est pressé, on va faire quelque chose, ça se passe 1500 ans, mais personne ne va pas aperçu, personne ne va pas le changer, personne ne va pas parler de ça. Que même la nomination des mois, c'est erroné, mes chers amis. Mais de toute façon, rien ne va changer. La fête, c'est la fête. C'est mieux qu'en fête qu'en pleure. Joyeux Noël, fêtez le Noël. Pour ça, sachez, mes chers amis, que vous êtes de n'importe quelle croyance, de n'importe quel pays, de n'importe quelle origine, vous pouvez fêter. Vous pouvez fêter Noël, parce que de temps en temps, je vois, quand je mets mon enfant à l'école, quand je vois mes amis à droite et à gauche, ils disent, bon, non, non, ne fêtez pas Noël, nous ne sommes pas chrétiens. Je n'ai pas chrétien. C'est vrai qu'actuellement, il y en a un marché mondial, international, plusieurs milliards de dollars dans le monde, ça c'est autre chose. Mais la fête, c'est bien. À mon avis, si on plaisante dans la vie, si on aurait toujours le sourire positif, fêter, mieux qu'être triste, mieux qu'être négatif dans la vie, positivité, ça nous donne l'envie de vivre en beauté, et ça nous rajeunit, mes chers amis.
Pour ça, achetez des cadeaux pour vos enfants, même si vous n'êtes pas chrétien. Mettez une harpe. Cette harpe aussi, harpe de Noël, une longue histoire que je ne vais pas parler ce soir ici, allez-y. Et faites des recherches, vous allez voir, il y a, quand vous mettez le soleil, les étoiles sur l'arbre de Noël et tout ça, c'est pour fêter et être gay et dansant, amusant, au moins, pendant, pourquoi pas une semaine, jusqu'à Nouvel An, c'est-à-dire commencer le 24 décembre, fêter jusqu'au premier jour de l'an, premier janvier, avec surtout vos enfants, quand ils vont aller à l'école, ils vont commencer à raconter, qu'est-ce que tu as où, oh Père Noël. C'est mieux que votre enfant soit à l'aise, à l'école, qu'il soit isolé. Et autre chose que je vais vous dire, les enfants d'aujourd'hui et d'hier sont tellement intelligents, ils ne croient pas au Père Noël. Ils savent que le Père Noël, c'est une plaisanterie. Il sait que le Père Noël, c'est son papa, son oncle, son voisin, son gardien, le gardien de l'immeuble, ou le monsieur qu'elle avait engagé. Il sait, les enfants, il sait ça, mes chers amis. Mais vous savez pourquoi ils ne disent pas? Vous savez pourquoi? C'est que puisque tout le monde aime le cadeau, et les enfants aussi, ils aiment le cadeau. Ils vont commander, ils vont recevoir des cadeaux. Qui n'aime pas le cadeau? Tout le monde aime le cadeau. N'oublie pas, les enfants sont des diplomates. La diplomatie qu'ils ont, c'est énorme. Il ne faut pas penser que puisque c'est un enfant de 12 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 11 ans, 14 ans, 15 ans, c'est un enfant qui ne comprend rien, ne sait rien. Non, il comprend bien et il sait tout. Mais seulement il ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'il va recevoir le cadeau. Je vous assure, depuis des années, je vais vous confier mon secret. Avec vous, je parle des enfants qui avaient 3 ans ou 10 ans. J'ai parlé, je disais, oh, Père Noël, tu le connais? Il disait, oui, oui. Je disais, c'est qui? Tu peux dire doucement, personne ne veut pas la savoir. Il disait, oh, c'est mon tonton Daniel. L'autre, il disait, c'est mon gardien. Parce qu'il connaît les enfants. Mais il ne le dit pas. Vous voyez, David aussi, il est amusant ce soir. Pourquoi? Parce que c'est la fête. De toute façon, le journée solstice s'approche, c'est dans quelques jours, 21 décembre, fête de Yalda, Noël de Mitra, après Noël de Jésus, c'est le 25, fêtez-le mes chers amis, et profitez de la vie, et restez positif. 08 92 23 95 20. Vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer et me donner vos idées à ce sujet, mes chers amis. Que pensez-vous? Est-ce que...